Bonjour à tous, donc toujours dans la remise en état du camping-car B564 de 1995, dans un Hemer bien sûr. Voilà, donc on va essayer de le rendre un peu plus intelligent ce vieux camping-car. Et donc j'ai décidé d'installer ceci. Donc c'est un moniteur pour afficher les informations de la batterie. C'est un Victron, un BMW 702. Donc c'est un petit appareil qui permet de savoir un petit peu tout sur la consommation du camping-car. Donc voilà, je l'ai installé juste là. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est un appareil voilà, qui me dit que j'ai 2 watts qui rentrent de mes panneaux solaires. Ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, on est en fin de journée et que j'ai aucune consommation. Ça me donne l'état de mes batteries. J'ai une sécurité sur la température. C'est vraiment un petit appareil très complet. Donc voilà, donc pour ce faire, eh bien, il y a un shunt à installer au niveau de la batterie. Donc là, en fait, la batterie est là-dessous, je vais vous montrer. Donc ce petit appareil, en fait, est relié via un petit câble type RJ45. Donc du coup, je l'ai fait sortir ici. Il passe là le long, accroché au câble des panneaux solaires. Voilà, ici, il passe sur le voie ici, là. Et ensuite, il se glisse sous le joint tout le long de la fenêtre. Donc, il descend là, il va tout le long ici, là, voilà. Et on le voit, il passe ici, il descend au niveau du bloc. Voilà, ici, du bloc du camping-car. Et il va rejoindre la partie batterie que je vais vous montrer. Donc toujours ici ma trappe avec le support que j'ai fabriqué pour pouvoir installer une deuxième batterie qui n'est toujours pas là pour le moment. Voilà, et là on va enlever ce support. Donc on retrouve la batterie et le petit système, le shunt, qui est relié donc au BMW 702 qui permet de me donner toutes les informations sur ma batterie. J'ai installé par la même occasion une petite réglette pour pouvoir distribuer les phases et les neutres un peu mieux qu'avant. Avant, c'était tout branché sur les cosses de batterie. Enfin, il y en avait un peu beaucoup. Ça commençait à faire beaucoup sur les cosses. Là, c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, je vous mets quelques photos à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu ben, voilà, le montage, la mise en place de ce petit appareil. Alors, moi je vous le conseille avant d'acheter toute autre chose, que ce soit des batteries, des panneaux solaires, des nouveaux régulateurs ou quoi que ce soit. C'est quand même un système qui vous permet d'avoir en temps réel la consommation de votre énergie électrique, qui permet aussi de vous donner la température de votre batterie et de vous mettre une alarme si jamais vous consommez trop. Voilà, évitez de faire surchauffer la batterie. Et puis ça vous donne aussi la puissance qui rentre des panneaux solaires. Voilà, avec tout un tas d'autres informations, allez voir sur les sites internet, mais vraiment c'est un super produit et ça remplace avantageusement ce vieux pupitre qui donne plus ou moins le voltage d'une batterie et l'ampérage qu'on consomme à quelque chose près. Voilà, bah écoutez, je vous mets quelques photos à la fin de cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.